Une démarche nourricière naît d'un enjeu, d'un besoin ou d'une intention partagée par les membres d'une communauté de se nourrir sainement, équitablement et durablement. Une démarche nourricière est un projet de territoire qui peut se déployer à différentes échelles, quartiers, villages, villes, régions et même au-delà. Partout au Québec, des mobilisations s'organisent pour assurer une gouvernance inclusive de l'alimentation. Les impacts recherchés sont collectifs, durables et à long terme. 5 grandes étapes permettent de cheminer vers un territoire nourricier. Rassembler une diversité d'acteurs représentatifs de la communauté pour définir les objectifs et le calendrier de la démarche. Réaliser un état de situation. Quelles sont les forces et les faiblesses du système alimentaire local? Qui sont les artisans du territoire? Une alimentation saine est-elle accessible pour tous? Autant de questions pour établir un diagnostic partagé avec les membres de la communauté. Élaborer une vision rassembleuse. La vision exprime les valeurs communes et le changement souhaité par la communauté en matière d'alimentation. Mettre en œuvre un plan d'action réaliste. Les partenaires de la démarche coordonnent leurs actions et partagent les responsabilités. Évaluer les résultats de la démarche. La communauté tire des apprentissages, met à jour son plan d'action et célèbre ses réussites. Se développe ainsi une culture de l'alimentation saine et locale dans la communauté. L'engagement citoyen transforme le visage des systèmes alimentaires de proximité et se nourrir redevient un geste social, écologique et économique signifiant.